Après 3 mois passés à la marina avec des journées plus ou moins agréables, cuando tú apagas el motor, es normal que te marque 12.8. Lorsque vous éteignez le moteur, il est normal qu'il vous marque 12.8. Lo sabe que es normal. Nous nous sentons légitimes de laisser une petite trace. La traversée du canal va durer 2 jours. Le premier soir, les 3 premières écluses vont nous monter jusqu'au lac Gatun où nous passerons la nuit. Le lendemain, nous naviguerons à travers le pays pour rejoindre 3 autres écluses qui nous redescendent vers l'océan Pacifique. 4 équipiers plus le barreur sont indispensables pour manœuvrer les amarres dans les écluses. Claude et Pascal, un couple de Français rencontrés à la marina, sont gentiment venus nous aider, ainsi que Paul, un ami d'enfance d'Alex. Paul n'a jamais navigué et il doit se familiariser avec les différents nœuds à connaître pour les manœuvres. Il s'entraîne pendant que nous attendons le pilote qui viendra nous driver entre les immenses cargos et les écluses. Buenas noches. Bien. ¿Qué hablamos? ¿Español, inglés? Inglés, español. Francés, no tengo. Los dos. Inglés, inglés. English, okay. English, everybody, okay, good. Guys, my name is Amado. Amado. Pommes de touline lancées sur le bateau permettent aux hommes sur le quai de récupérer nos amarres pour ensuite maintenir notre voilier dans l'écluse. Les portes se referment sur l'océan Atlantique avant que l'eau ne monte à toute vitesse. Magnifique, je suis concentré. Moi, il faut que je prenne, mais là, moi, je suis trop tendu. Il n'y a pas plus, hein, Polo. Là, ça monte d'un coup. C'est hyper impressionnant, ça se monte bien. Nous suivons l'immense cargo pour passer les 2 autres écluses. Là, ça c'est bien pour les deltoïdes. L'apéro de demain, il va être magnifique.
matin et je m'apprête à plonger dans le lac Katun. Hier soir, on est arrivé ici très tard, un petit peu avant 2h du matin. Donc là, le réveil a été un petit peu dur. Aujourd'hui, ça va être une grosse journée parce que on va naviguer longtemps et on a 3 autres écluses à passer. Mais il fait beau et on est heureux. Et on va nager tous les deux. Tu vas nager avec moi ? Non, moi je nage pas. J'ai pris le saut, je suis pas fou. Moi, il y a des crocodiles ici, j'ai trop peur. Mais les crocodiles, ils sont trop gentils. Je regarde s'il n'y a pas des yeux là. Ça va. Avec un autre bateau et n'avons rien d'autre à faire qu'attendre que l'eau descende. Cette fois-ci, il faut laisser du mou dans les amarres pour que le bateau descende. Tu ressens de voir les portes du Pacifique s'ouvrir à toi? Je ressens un peu les portes du Pacifique qui s'ouvrent à moi. Regarde, le Pacifique. Yeah! T'as remarqué que c'est la même sonnerie que la récréation? Ouais, c'est-à-dire que c'est la fin de la récré maintenant. On va dans un océan où les vagues sont 10 fois plus grosses que dans l'Atlantique, les animaux sont tous féroces et il pleut tout le temps. Waouh! C'est ouf! Thank you.